Shalom, shalom, peuple de Dieu. Je viens vous donner ce que j'ai reçu du Seigneur. Mais tout d'abord, je vous demanderai de prendre ce message très, très, très au sérieux. Vraiment très, très au sérieux. Notre vie en dépend. Et aussi, partagez le message du Seigneur. Alléluia. Partagez ce message. C'est un message que j'avais déjà donné, mais le Seigneur m'a demandé de remettre ce message en ligne encore avec ce qu'il m'a donné dimanche. Alléluia. Le dimanche 18 août vers 11 heures, le Seigneur m'a donné la vision du drapeau civil de Chiswen Hostel. J'ai vu ce drapeau sous son mât dans le vide en hauteur qui bougeait. Voilà ce que dit le Seigneur. Le drapeau civil représente l'identité de l'Antéchrist, la bête. Le drapeau civil représente l'Antéchrist, la bête. Il s'est levé pour détruire et partir à la conquête des âmes, pour les perdre et séduire même les élus. Il s'est levé pour faire son entrée sur la scène internationale avec l'Union européenne. Le monde sera bouleversé et terrifié. Dis à mon peuple de se réconcilier, de se pardonner, de s'aimer, de se sanctifier. Et c'est où sera leur protection? Il me dit encore plus fort, le Seigneur. Dis à mon peuple de se repentir, de se sanctifier. Il dit, moi, le grand Dieu sans égal, je piétinerai l'Allemagne, je piétinerai la France, parce que l'Allemagne et la France sont unies avec la bête. Alléluia. Certains d'entre vous diront, pourquoi l'Allemagne? L'Antéchrist doit avoir le sang du Juif. Oui, c'est vrai, mais Jésus n'est-il pas né à Bethléem et n'a pas grandi dans le village de Nazareth? On l'a même surnommé le Nazéréen. Ça n'a rien changé à son identité. Amen. Soyez bénis, peuple de Dieu. Je sais ce que j'ai vu. Je sais ce que j'ai entendu. Soyons des enfants sages, humbles, et prenons le message du Saint-Esprit au sérieux. Je mettrai un lien en commentaire où vous pourriez visionner un autre message. Que le nom du Seigneur soit béni. La nation européenne, révélation de Yeshua, donnée à sa prophétesse Lynn Antoine le 7 décembre 2018. J'étais en conversation avec le Seigneur, je lui ai posé une question. Il m'a répondu tout autre chose comme d'habitude. Il m'a dit ceci: je ne sais pas si je t'ai parlé des nations européennes. J'ai dit: non, tu le sais très bien. J'ai souri. Car je me suis rappelé lorsqu'il avait dit à Ézéchiel, dans le chapitre 37, verset 3, il me dit, Fils de l'homme, ces eaux pourront-ils revivre? Je répondis, Seigneur éternel, tu le sais. J'aime beaucoup son humour, nous rigolons souvent, il est un vrai papa. Le 27 mars 2020, en prière, le Seigneur m'a dit, c'est maintenant qu'il faut avertir mon peuple. En ce moment même, les dirigeants de certains pays européens se consultent pour mettre leur plan à exécution. C'est une organisation secrète composée d'hommes puissants qui est la résultante d'une alliance de plusieurs pays européens. Les dirigeants de plusieurs nations de l'Union européenne doivent consulter cette organisation secrète pour prendre certaines décisions. Ils imposeront leur dictature. Et les autres pays composant l'UE n'auront pas leur mot à dire, car ce qu'ils imposeront viendra de leur maître. Ils ont pour but de préparer la venue d'un personnage sur la scène internationale
Et c'est ce que je comprends d'une vision que le Seigneur m'a donnée. Il m'a montré un drapeau de couleur bleue, blanc, rouge, mais contrairement à celui de la France. Ces couleurs étaient positionnées horizontalement. Après quelques recherches, il s'avère qu'il s'agit du drapeau de Schleswig-Holstein, qui est une république parlementaire et d'un État partiellement souverain, faisant partie de la République fédérale d'Allemagne. Le Seigneur, par la suite, dans une vision, me fit voir la chancelière allemande Angela Merkel pour me confirmer que le drapeau en question concernait bien l'Allemagne et non celui d'un pays slave. Ce qui m'a frappé dans cette vision, c'est que ce drapeau civil allemand n'était pas seul. Il y avait aussi le drapeau européen avec. Mais étrangement, il était d'une dimension moindre et il était positionné en haut à droite, côte à côte. Pourquoi précisément le drapeau civil allemand et non pas le drapeau officiel de l'Allemagne? Pourquoi me fut-il montré plus grand que le drapeau européen et positionné avant? Ces détails qui semblent anodins à première vue ont une importance capitale par rapport à ce que m'a révélé le Seigneur. Le fait que ce soit un drapeau civil et qu'il soit plus grand que celui de l'UE veut dire que quelque chose de beaucoup plus grand que l'Union européenne sortira de l'Allemagne. Et ce sera un homme, puisqu'il s'agit du drapeau civil et non du drapeau national. Tout comme ce drapeau civil allemand est inconnu du grand public, signifie que cet individu est inconnu du grand public. Seul un nombre restreint de personnes connaît son existence. Cet homme en question dominera dans un premier temps l'Union européenne. Parce que j'ai vu le drapeau qui représentait sa partie avant celui de l'UE. Mais il travaillera avec l'Union européenne puisque les deux drapeaux étaient très proches l'une de l'autre. Et par la suite, sa domination s'étendra sur toute la Terre. Ce personnage qui sortira de l'Allemagne aura une puissance sans pareille. Mais des limites lui seront imposées par Dieu. Et dans la suite des temps, on lui donnera autorité comme il s'est écrit dans le livre de l'Apocalypse, chapitre 13, verset 4. Et on adorera le dragon qui avait donné son pouvoir à la bête. On adorera aussi la bête en disant « Qui est semblable à la bête et qui pourra combattre contre elle ?» Et Apocalypse 17, verset 12-13 dit « Les 10 cornes que tu as vues sont 10 rois qui n'ont pas encore reçu de royaume, mais qui reçoivent l'autorité comme roi pendant une heure avec la bête. Ils ont un même dessein et ils donnent leur puissance à leurs autorités de la bête. » Vous l'avez compris? Il s'agit de l'homme du péché, l'être impie, le fils de la perdition, l'adversaire de Dieu, celui qui voudra s'élever au-dessus même de Dieu. C'est l'Antichrist, connu aussi sous le titre de Antéchrist. Ces deux termes sont valables. Antichrist veut dire qui est opposé au Christ. Et Antéchrist signifie qui précède le Christ, effectivement, est contre le Christ et il fera son apparition juste avant le retour du Seigneur. Il sortira de ce pays de l'Allemagne et même qu'il agit déjà, mais en coulisses, son empreinte est sur certaines lois et décisions abjectes prises en ce moment même par certains dirigeants de l'UE. Ce qui compose ce noyau dur de l'Union européenne et bientôt il se révélera à la tête
d'une poignée de pays européens et partira à la conquête du monde. Frères et sœurs en Christ, l'heure est plus grave. Les dés sont jetés, le décor est planté, il est là. Il est là. Réveillez-vous, réveillez-vous, dit le Seigneur. Seules les prières et la repentance de l'Église pourront atténuer la main du jugement de Dieu. Oui, la colère de Dieu a commencé à s'enflammer et les fléaux tels mentionnés dans le livre de l'Apocalypse s'abattent déjà sur la terre. Dans un avenir proche, puisque son temps est là, cet homme imposera sa marque qui est le 666. Est écrit dans le livre de l'Apocalypse, chapitre 13, versets 16-17. Et elle fit que tous, petits et grands, riches et pauvres, libres et esclaves, reçurent une marque sur leur main droite ou sur leur front, et que personne ne put acheter ni vendre sans avoir la marque, le nom de la bête ou le nombre de son nom. Frères et sœurs en Christ, beaucoup seront surpris par la soudaineté avec laquelle les choses vont se dérouler. L'Église dort, et c'est ce qui est mentionné dans Matthieu 25, chapitre 1 à 13. Alors, le royaume des cieux sera semblable à 10 vierges qui, ayant pris leur lampe, allèrent à la rencontre de l'époux. 5 d'entre elles étaient folles et 5 sages. Les folles, en prenant leur lampe, ne prirent point d'huile avec elles, mais les sages prirent avec leur lampe de l'huile dans des vases. Comme l'époux tardait, toutes s'assoupirent et s'endormirent. Au milieu de la nuit, on cria, « Voici l'époux, allez à sa rencontre. » Alors toutes ces vierges se réveillèrent et préparèrent leur lampe. Les folles dirent aux sages, « Donnez-nous de votre huile, car nos lampes s'éteignent. » Les sages répondirent, « Non, il n'y en aura pas assez pour nous et pour vous. Allez plutôt chez ceux qui en vendent, et achetez-en pour vous. » Pendant qu'elles allaient en acheter, l'époux arriva. Celles qui étaient prêtes entrèrent avec lui dans la salle des noces et la porte fut fermée. Plus tard, les autres vierges virent et dirent, « Seigneur, Seigneur, ouvre-nous !» Mais il répondit, « Je vous le dis en vérité, je ne vous connais pas. Veillez donc, puisque vous ne savez ni le jour ni l'heure. » Frères et sœurs en Christ, comprenez, cette puce est déjà promotionnée. Ça devrait vous interpeller sur la saison dans laquelle nous sommes. Sans cette marque, tu ne pourras ni acheter, ni vendre. Vous ne pourrez en aucune façon disposer des sous que vous aurez sur votre compte en banque sans la puce RFID. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que pour tous ceux qui prendront cette marque, ce sera la damnation éternelle, la séparation avec Dieu, les tourments éternels dans le lac de feu et de soufre. C'est écrit dans la Bible, Apocalypse 14, versets 9-11. Et un autre, un troisième ange, les suivit en disant d'une voix forte, « Si quelqu'un adore la bête et son image, et reçoit une marque sur son front ou sur sa main,
il boira lui aussi du vin de la fureur de Dieu, versé sans mélange dans la coupe de sa colère. Et il sera tourmenté dans le feu et le soufre, devant les saints anges et devant l'agneau. Et la fumée de leur tourment monte au siècle des siècles. Et ils n'ont de repos ni jour ni nuit. Ceux qui adorent la bête et son image, et quiconque reçoit la marque de son nom, êtes-vous prêt à prendre un tel risque? Voulez-vous continuer à jouer avec votre éternité? Attendez-vous que la porte de la grâce se referme? Aujourd'hui, Dieu te dit, détourne-toi de tes mauvaises voies et arrête de dire que tout a été payé à la croix. Arrête de dire que le sang de Jésus lave mes péchés. Ce que Dieu veut, c'est ce que tu te repentes maintenant, car tu ne sais pas de quoi est fait demain. Le Seigneur veut que tu produises des fruits dignes de la repentance. Chers frères et sœurs, le cri de minuit est sur le point de retentir. De laquelle de ces vierges fais-tu partie, folle ou sage? Je vous dis en vérité, il y aura beaucoup de surprises quand ce cri retentira. Je vous invite à méditer la parole à la lumière du Saint-Esprit. Soyez bénis.